Yo tout le monde, on est trop content de vous annoncer que notre nouvel agenda et notre nouveau cahier de texte sont disponibles dans toutes les librairies. Pour cette année, on vous a préparé un max de nouveaux gags. Et même des FAQ, des jeux et des stickers encore plus stylés. J'ai aussi le grand plaisir de vous annoncer que mon coffret papeterie Sophie Fantasy est en vente dans toutes les librairies et sur sweoshop.com. Vous trouverez à l'intérieur un carnet scintillant, une petite règle, deux gommes fantasy et un crayon plein de paillettes. Pour chaque commande sur sweoshop, vous recevrez une photo dédicacée en cadeau. Vous pouvez retrouver sur notre site sweoshop.com tous nos articles pour la rentrée des classes. Nous démarrons une nouvelle année scolaire. Et on va commencer en vous expliquant les règles. Bonjour mesdemoiselles et messieurs. Je suis votre professeur de français et d'histoire géo. Je suis monsieur Labouze. Bonjour monsieur Labouze. Et moi, je suis votre professeur de maths, de sciences, d'anglais et d'espagnol. Je suis madame Vénère. Bienvenue à tous. Bonjour madame Vénère. Bien sûr, les règles de base sont simples. Pas le droit à l'alcool en classe. Pas le droit aux armes en classe. Pas le droit aux cigarettes. Et ni les fumées en classe, évidemment. Et pas le droit aux animaux de compagnie. Principalement les éléphants et les baleines, s'il vous plaît. Et surtout, le plus important, nous avons reçu un message du ministre de l'Éducation nationale et de la Santé. Et ce message, c'était que les bonbons sont interdits. Est-ce que c'est bien compris? Madame Vénère, calmez-vous. Ce n'est pas un M, là. Si? Si, c'est un M. Vous voulez que je refasse des cours de français, est-ce que je vois? Ok, j'y passe tout ça. Vous ne savez toujours pas écrire? Votre boulot, c'est d'être prof de français, et le mien, c'est d'être prof d'anglais, de maths, de sciences et d'espagnol. Très bien, je vois. Voilà. C'est mieux comme ça. Pas de bonbons! Est-ce que c'est bien compris? On a compris. Car si ce n'est pas bien compris, vous savez ce qui se passera. Ok. D'accord. Oui, et d'ailleurs les élèves, n'hésitez pas à rapporter si jamais vous voyez un élève avec des bonbons. Elle est très bonne. Aujourd'hui, c'est la journée d'information. Les cours commencent demain. Est-ce que vous avez bien compris les règles sur les bonbons? Calmez-vous. Mais oui. Et est-ce que je devrais me calmer s'ils apportent des bonbons en classe? Oh non, énervez-vous. D'accord, bien sûr. Eh bien, donc, et comme on dit, hein, c'est la scolaire. Hein. Avec des profs comme ça, ça va pas être super super. J'ai déjà marre. Ouais, pareil. Bonjour, monsieur Labouze. Hop. Nouvelle consigne, je dois vérifier vos sacs pour voir s'il n'y a rien de compromettant. Eh bien, allez-y. C'est quoi tous ces livres? Bah, ce sont les livres que vous m'aviez demandé de lire. Ah oui, c'est bien ça. Et c'est dans vos sacs, s'il vous plaît? D'accord, merci, monsieur Abouze. Merci. Vous avez une trousse? C'est étrange quand même. Oh, c'est quoi ces deux guignols sur votre trousse? Eh bien, c'est moi et mon frère. Ah bon? C'est pas vos complices? Non, ce n'est pas mes complices. Très bien, c'est bizarre quand même. Je ne manigance rien. Très bien, c'est rigolo. Mais ce livre, vous l'avez déjà lu? Mais non, vous aviez demandé de lire ce livre pour la fin d'année. Vous aviez demandé de l'acheter pour la rentrée. De le laisser dans le casier pendant toute l'année. Très bien. Bon, dépêchez-vous de revenir à votre place, monsieur Swan. Oh, c'est quoi ce livre, Swan? T'as acheté une bibliothèque ou quoi? Oh, tu comprendras plus tard. Ok. T'as combien d'heures de français là déjà? Environ, je sais pas, deux. J'ai une correspondance, donc regarde dans le planning là. Mais quoi pour aujourd'hui? J'ai oublié mon agenda aussi. Ah, mais sérieux, t'as tout oublié quoi? Mais Swan, c'est bon, c'est pas arrivé. Attends, j'ai d'abord regardé dans l'agenda, hein. Alors du coup, on a. T'as pas un stylo aussi de retour? Oh, sérieux? Mais écoute, j'ai cherché tout ça, hein. Ouais, merci Swan, trop sympa, trop sympa, pas sûr. Stylo. Tiens, prends ça. Merci. Tu me sauves la vie là. Ok, alors Néo, alors là si je regarde bien, on a monsieur Labouze pendant toute la journée. Quoi? On a d'abord français, puis histoire, et enfin géographie. Ok, voilà. Super nouvelle. T'inquiète Néo, c'est ce qu'il faut pour qu'on passe une bonne journée. Des livres tout poussiéreux? T'inquiète, ils sont pas si poussiéreux que ça. Tu vas voir. Faut jamais suivre les apparences, tu sais. Oh, c'est bien long l'installation de tous ces livres, monsieur Swan. Voilà. Ça y est, l'installation est terminée. Bien, nous allons commencer par un peu d'orthographe. Voyons. Oh non, une dictée. Ah, je déteste ces dictées. Hermia, point, c'est vous, virgule, madame, virgule,
qui est cause de tout ce tapage. Point. Ça. C'était dit, Hermione. Ne vous en allez pas. Point. Je répète. Hermia, point. C'est vous, virgule. Madame, virgule. Qui est cause de tout ce tapage. Point. J'ai bien dormi à 300 ans, moi. Elena, point. Je ne me dis pas à vous, virgule. Moi, point, virgule. Je ne resterai pas plus longtemps dans votre maudite compagnie. Point. Bien. À présent, je vais vous lire un passage de l'œuvre que nous avons utilisé cette année. Vous, serpent, assis à l'église là, je ne vous montrerai pas. Salamandre, orbe, ne soyez pas la serpente. Tout en bonne. Avec un de vie, accompagne votre vie du portail. Loula, loula, loula vie, je dis les malheurs. Monsieur Swan, Monsieur Néo, je peux savoir ce qui se passe. Je vais passer un stylo. Il me passe un livre. Et maintenant, je vais passer un livre. Voilà. Bon, c'est très bien la solidarité entre camarades. Bon, reprenons. A few moments later. Et voilà, une belle journée de cours. Ah. Swan, tiens, au livre. Ah oui, voilà. Franchement, merci pour cette délicieuse lecture. T'es super. T'as vu, hein, il est bien, il est beau. Trop bien, trop bien. Il est délicieux à lire. Bon, je l'ai dévoré. Ouais. Par contre, Néo, hein, j'ai pas passé mes journées à te nourrir, hein. Demain, t'amènes tes propres bonbons, hein. Ok. À demain, Swan. À demain, monsieur Labouze. Ouais. À demain, Néo. À demain, monsieur Labouze. À demain. Bonjour madame Vénère. Je dois examiner votre sac. C'est une très importante procédure, car apparemment des élèves ont déjà réussi à glisser des bonbons. Des bonbons, ouais, c'est pas moi. Hein. Donc voyons voir ce que vous avez. Posez-les doucement, ils sont tout neufs. Hein. D'accord, je vois. Qu'est-ce que c'est que ces livres? Expliquez-moi. Dictionnaire, ça se voit, non? Voyons voir. Est-ce que ça, c'est un dictionnaire? Regardez bien par vous-même. Voilà, c'est un dictionnaire. C'est donc un dictionnaire d'espagnol. C'est un dictionnaire, quoi, c'est tout. Hein. Bien, ça m'a l'air très réglementaire. Hein. Ok, bah super, c'est bon. Eh bien, je pense que vous pouvez vous asseoir, monsieur. Ok, bah merci, madame Vénère. On fait quoi ce matin? C'est un cours de maths. J'espère que vous avez les maths. Ah, ça tombe bien, j'adore les maths. Eh bien, ce sera un peu mieux. Bien, messieurs, nous allons commencer avec un exercice très simple d'algèbre. J'espère que vous connaissez l'algèbre. Ah non, les maths. Yes. Eh bien, évidemment, c'est très simple. Hein. Ce ne sont pas les exercices finaux, hein, évidemment. Et voilà. Allez, répondez à cette question sur votre cahier, s'il vous plaît. Bien, on va voir combien de temps ça va vous prendre. Ça fait 256 plus 4x plus 100. Mais oui, monsieur Swan, c'est la bonne réponse. Je savais que vous y arriverez. Yes. Attends, c'était ça? Mais je trouvais l'Afrique du Sud, moi. Quoi? Et comment t'as trouvé ça, c'est un pays? Bah, c'est dans les calculs. Allez hop, au suivant. J'ai encore plein d'exercices de maths à vous. A few moments later. C'est long. Bien, nous avons fait assez de mathématiques pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons attaquer l'anglais. Sortez vos dictionnaires.
Joli, vous traduisez. C'est parti. Stay one. Marika. Marie was there to begin with. There was no doubt whatever about that. The wood turned to the land, the sun, like the scared man. He cared and worshipped. And the sweet woman killed family, and whose name was God upon his hand for anything he chose to put his hand to. All Marie was there as a domain. Mine, I don't mean to say that I know of my own glory, what there is particular to say about the domain. I mean, have been inclined myself to regard its sacred name as it did it to. Due to its sacred name and origin, if anything belonging to it can be apart from that, I think it's bad. The king's forgiving can go to the time. The only time I know of is a fail of food upon the instant. Eh bien, monsieur Néo! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est simple, c'est que en fait, je parlais anglais. Voilà. Bien sûr, vous ne savez pas! Vous n'écoutez pas! Je le savais! Et vous savez quoi? Une heure de coille! Oh, madame! A few moments later. Ok, c'est bon! Nous avons fait assez d'anglais pour aujourd'hui! Sortez vos livres d'espagnol! Ah, t'inquiète, fun! J'ai un double, merci. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Néo? Pourquoi vous donnez ce dictionnaire à monsieur Swan? En fait, c'est le dictionnaire qu'il m'avait prêté, du coup, que je le rends. Oui, c'est bien, en fait, il vient de me le rendre. Merci Néo. Pas de soucis. Bon, très bien. Allez hop, nous commençons. Alors, vous devez bien retenir ces mots. Je dis pas ou insoutenable. Toyage, veut dire terrain vague du terrain abattu. Solitude, veut dire solitude, une mange ou une roquette. Marmota, veut dire marmotte. Marmol, veut dire marmotte. Materia, veut dire matière. Et le dernier, sol, veut dire soleil, amour, prend le soleil. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, faites vos sacs et partez, je suis pressée. Allez hop, au revoir. Léo? Ouais. Vraiment, la semaine commence super bien. Tellement génial, hein. Et si on fait ça sans se faire chanter pendant toute une année, on va passer une super année. On va s'éclater, ouais. Ah oui, attends, bouge ton dictionnaire. Ah ouais, merci. Et voilà. À demain, Léo. Allez, à demain, ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Swan. Et vérification annuelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une boîte à pieds. Vous savez, les pieds polluent beaucoup la planète. Donc, en gros, on va placer cette boîte dans la classe. Et ceux qui ont des pieds usagés, comme les filles des calculatrices, pourront mettre leurs pieds usagés ici et les recycler. Oh, c'est très bien, monsieur Swan. Et par contre, ça fait pas trop un bruit de pile de ça, je trouve. Faut que j'aille vérifier. Mais c'est pas obligé, hein, c'est pas obligé. Y a rien à l'intérieur. C'est du papier. Vous savez, monsieur Swan, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Je m'y connais bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Swan, une heure de colle déjà? On m'a vraiment menti! Vous n'avez pas respecté là! Et deuxième heure de colle pour avoir amené autant de cochonneries dans mon établissement! C'est inacceptable! Monsieur Swan, vous allez coller aussi une troisième heure de plus! Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ah bah, j'ai oublié. Mais allez-y! Je confisque tout ça! Bonjour, monsieur Swan, ça va? Oui. Attendez, depuis le cours que vous m'avez fait hier, je dois aller vérifier ce que vous avez là. C'est quoi? Eh bien, bah, c'est mon gomme pour votre cours de géographie. Ouais, il y a beaucoup de poussière sur ce bureau. Vraiment, la feuille de ménage, elle n'est pas venue hier, vous comprenez? Oui, d'accord. Du coup, oui, très bien. C'est pour le cours de ce matin, effectivement. Ben oui. Oh, c'est très bien, monsieur Swan. Vous êtes un élève modèle. Je pense que tout est bon. Vous pouvez. Merci. Vous asseoir. Bonne journée. Merci, monsieur Bouze. Poussière ici. Swan, tu fais ton faillot? Pourquoi t'amènes un globe? Non, mais t'inquiète, c'est une tactique. Tactique? Eh oui, tu vas voir. Ok. Je suis plus intelligent que ça, vraiment. Bon, monsieur Néo, vous avez travaillé sur la grande carte derrière, et monsieur Swan, sur le globe. Bon, vous allez devoir me trouver. Voyons, l'Indonésie. Ok, monsieur. Alors, l'Indonésie. Indonésie, c'est là! Non!
Monsieur Labouze, regardez. Parfait, très bien les enfants. Attends, je sais. Pays. Maintenant, la Finlande. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Très bien, vous connaissez bien votre géographie. Bien joué. La Finlande. Maintenant, écoutez, le Pérou. C'est le Pérou. C'est là, le Pérou. Non. Et maintenant, nous allons réviser les drapeaux. Alors, voyons quelle couleur j'ai. Oupsie. Alors, je dessine un drapeau et vous devez le reconnaître. Regarde-le. Oh, ça va être des bosses. Prends un petit peu. Attendez, là je crois que je me suis trompé. Oh là là, je fais beaucoup de bêtises. D'accord, monsieur. Bon, monsieur Swan, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, je sais pas. On va passer à monsieur Néo. Monsieur Néo? Ça serait pas le Nigeria? Non, c'est bien Néo, c'était le Nigeria, effectivement. Bonne réponse. Ah, j'avais dit. Yes. Maintenant, monsieur Swan. Alors, deuxième. Est-ce que c'est Italie? Oui, c'était l'Italie. Bravo. Et le dernier, monsieur Swan. Troisième, je vois pas du tout, hein. Non, monsieur Néo. Mais c'est la Corée du Sud? Oui, c'était la Corée du Sud. Bravo. Vous êtes de très bons élèves. Ah, oui, non. Yes. Oh, la journée est déjà terminée. Bon, bah, à demain. À demain. À demain. À demain, monsieur Labouze. Franchement, t'as géré aujourd'hui, hein. Merci. Mais t'as vu, le boss. Génial la boîte de dragibus. C'est sûr. Allez, à demain, Swan. Hop. À demain, Néo. Bonjour, Madame Vénère. Bonjour, monsieur Néo. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Une plante. C'est pour racheter de la vie à la classe. J'aime bien, moi. Très bien. Et vous allez la mettre où, cette plante? Pas sur mon bureau. Eh bien, très bien. Si ça peut améliorer vos notes en mathématiques, parfait. Super, bah merci. Vous pouvez vous asseoir. Et de toute façon, cette plante tombe très bien. Nous allons faire un petit cours de science. Salut Swan. Ah salut. Bah dis donc, tu fais quoi avec cette plante? Tu verras. D'accord, bon voilà. Il part bon. Alors, déjà, je vais écrire une petite chaîne alimentaire. Ça, c'est une feuille. Et voilà, j'ai fini. Et j'ai quelques questions à vous poser. Alors du coup, comment les plantes restent sur Terre? C'est parce que, avec tous les insectes qui mangent les plantes, comment les plantes réussissent à survivre? Allez hop, répondez. Mais en fait, tous les êtres vivants, que ce soit des oiseaux, des chiens ou des loups, meurent et finissent par devenir des micro-organismes qui font pousser les plantes. Donc les loups se transforment en insectes? Mais non, vous ne comprenez rien. Bah ça devient des micro-organismes, non? A few moments later. Non mais vous comprenez vraiment rien, hein. Allez hop, fini pour aujourd'hui. Passez un bon week-end et à lundi, hein. Et je vous conseille de travailler, car cette prochaine, je vais vous préparer un petit examen pour voir si vous avez travaillé. Allez, à lundi, Swan. À lundi. Au revoir, Madame Vénère. Au week-end, Madame Vénère. Et attendez une seconde, Monsieur Néo. Oui. J'adore vraiment cette plante. Plus ouais. Je la garde sur mon bureau pour faire une bonne ambiance dans la classe. Non, j'en ai besoin pour ce week-end. Qui va s'en occuper? Et j'insiste. Non, mais madame, cette plante sera très utile pour la classe. Non, mais madame, c'est vraiment gentil. Vous allez me donner cette plante, oui? Et ça va faire une jolie ambiance dans la classe. Non, rien, mais. Bien, merci pour la plante. Oui. Bon week-end. Merci madame. Au revoir madame. Cette plante est vraiment très jolie. Ah, bon week-end monsieur Swan. Voyons voir. Qu'est-ce que... Des bonbons. Je suis votre professeur de maths, d'anglais,
d'espagnol et je sais plus. Interdit de ramener des animaux de compagnie en classe. Et surtout pas d'éléphants. C'est un peu bêtisé, hein.